Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous parler d'une activité que nous faisons le 2 août de cette année, donc le lundi 2 août de cette année, à partir de midi, devant le State Department. En effet, depuis à peu près 2013, des organisations de la communauté congolaise, des organisations congolaises, donc de la société civile et aussi du monde politique de la RDC, commémorent le génocide des Congolais. Éveil patriotique! En effet, depuis l'avènement de l'AFDL en 1998 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo connaît des périodes très troubles. Des massacres de populations se répètent et l'insécurité ne fait que grandir. Pendant cette période, des millions de personnes ont perdu la vie. Éveil patriotique! Ngonda ekoki! Congolais nous sommes. Et donc nous pensons que nos morts au Congo ne doivent pas être oubliés. Les gens sont morts par centaines, par milliers. Des femmes ont été violées par milliers. Des enfants ont été massacrés et des personnes ont été massacrées. Et donc il est nécessaire que justice soit faite et une justice sérieuse. C'est pourquoi nous nous battons, nous nous commémorons cette journée du 2 août. Pour qu'elle soit reconnue au niveau de la RDC, au niveau de la RDC Congo, qu'elle soit reconnue comme journée du génocide congolais au niveau de la RDC et aussi au niveau international, au niveau des Nations Unies, afin que tout le monde sache ce qui s'est passé. Éveil patriotique, Ngonda ekoki. S'arrête pour que cela ne se répète pas et que ceux qui ont commis ces crimes puissent être punis. Éveil patriotique, Ngonda ekoki. Rendez-vous, tous rendez-vous ici à Washington DC pour commémorer ce 2 août. Rendez-vous devant le State Department à 12h le lundi 2 août. Donc le State Department se trouve au 2201 6th Street Northwest, ici à Washington DC. Nous serons là donc à 12h et nous nous séparerons à 15h. Non, c'est de votre présence demain, lundi, le 2 août 2021, devant les départements d'État américains, afin de break le silence. Sachez, chers compatriotes, que votre silence, c'est la contribution directe au génocide congolais. L'absence de votre présence, quelles que soient les raisons, contribue indirectement au génocide congolais. Nous vous prions d'être là et nous vous remercions infiniment pour, anticipativement, je vais dire, pour votre présence. Maître Gino Will.